Non, pas encore. Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau stream sur League of Legends avec les coupés. Ouais, League of Legends, ouais, c'est ça, ouais. De quoi ? Bonsoir. Non, je m'armonne des conneries dans un coin. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, on fait un nouveau défi que je me suis lancé. On va jouer avec tous les champions de League of Legends. Alors, pas dans la journée, parce que ça serait compliqué. Puis, je les ai pas tous. Il y a beaucoup de games, effectivement. Ouais. Mais j'ai fait un petit... tableur. Où j'ai répertorié tous les champions de LoL. Et le but, c'est qu'on joue avec chaque champion en vidéo, enfin en stream. Donc on commence à partir de maintenant. Donc j'ai repris à zéro. Les champions que vous voyez en jaune, c'est les champions que je n'ai pas encore achetés sur le jeu, qui manquent. Même si je crois que j'en ai eu quelques-uns. Je crois que c'est Zyra que j'ai pris dernièrement, parce que j'ai eu je l'ai eu dans un coffre... à moins cher. Si je fais ça, Zyra. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc Zyra, on peut la remettre en blanc. Si je dis pas de conneries. Action, Orion, Sol, Azir, Bard. Draven. On va y arriver. Je vérifie hein, que... Ceux que j'ai bien mis, c'est ceux qui me manquent. Malzahar, Mokai, Nico Nocturne. Renata, Samira. Attendez, je mets sur le côté. Skarner, Swain, Sylas. Vel'Koz et Zoe, ouais, c'est ça. Donc voilà. Pour ce qui est du... de ce, comment ça va donner. Et on va tester tous les champions. Donc c'est pour ça qu'on a mis roll random. Et puis on va voir ce que c'est. Donc aujourd'hui, bah après le but c'est de prendre des champions que je ne connais pas. Par exemple Aatrox, j'ai dû... Je sais pas si je l'ai déjà joué. Ari, oui, Akali. Ah si, je l'ai peut-être joué en Aram. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Alors. I am jungle. Oh, je suis top. Marrant. Oh, je voulais jouer. Ah ouais, je vais tester mon Jace Creep. Alors. On va jouer qui dans la jungle? Bah, tu sais quoi, donne-moi un champion comme ça au hasard dans la jungle. Dans la jungle? Ouais. Ah, mais dis-moi ce que t'as pas joué comme ça. Bah, quasiment tout. Les seuls que j'ai joué, c'est Diana, Amumu, Evelynn, Kayn, Kha'Zix et Karim. Fiddlestick, c'est marrant, non? Et bah, allez. Bon, bonne Motori. Bonne Akali. Et on va jouer Fiddlestick. Et moi je vais jouer Jace Critique. Est-ce que Jace Critique est une bonne idée? Je ne suis pas sûr, mais on va tester. Alors, les runes, on va pas se faire chier, hein, ça va être U.GG. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille en build? Rocket Belt. Ok, donc c'est full AP. Ouais. On va voir ce que ça va donner.
Quoi avez-vous? Félix? On a perdu un... On a perdu un soldat. Oh my God. On fait fou? On a perdu le fait fou. Pardon, je regarde des trucs mignons. J'avais pas pick mon champion. Bah non, t'as bugué. Mais j'ai pas bugué, je suis parti pour parler à ma mère, mais j'ai cliqué avant. J'avais cliqué, monsieur le juge. C'est pas Ah grave. merde. Jeu de merde. Bah en normal game c'est chiant qu'il y ait, que genre ça te fasse ça là. De quoi la tentative de reconnexion? T'es en tentative de reconnexion là? Bah, je sais pas, il m'écrit ça. Non. Mais je suis connecté. Suis internet. Moi t'es avec moi et là on est dans la file pourtant. Ouais, mais moi, il me dit tentative de reconnexion. Attends, on va relancer le jeu. Il veut bien. Le nouveau launcher LOL là, c'est pas de Riot Games, c'est nul à chier. Ah non, il est affreux, il fait qu'il y a plein de Il sert problèmes à... dessus. Déjà, il sert à rien. Bah, est-ce que moi, quand j'ai vu le nouveau launcher, je me suis dit, ah, ils font un nouveau launcher, tu sais, pour faire un truc à la Steam, tu vois, et mettre tous leurs jeux dessus, tu vois. Bah, c'est le cas. Bah, non, même pas. Mais... Enfin, si, c'est le cas, mais après, derrière, t'as le launcher du jeu en plus, quoi. Bah, ouais, c'est ça, c'est complètement débile. Autant Oui, qu'ils après, fassent bon. un vrai truc à la Steam où t'as tous les jeux dessus, tu vois, une bibliothèque de jeux avec. Avec bah, tous les jeux Riot et... Faut que tu m'invites. Très bien. Reste 2 minutes. Eh oui. C'est en plus... comment ça s'appelle Runet King là, c'est... Oh, Il est tu m'as chiant. pas tué. Ah, c'est ça. Tiens. Il est sur quoi? Tiens, Il est sur bizarre. Steam, je parie, non? Ouais, je crois. Peut-être qu'il est payant, alors c'était trop compliqué pour eux. Ah non, il est sur Epic Games. Ah oui, c'est vrai. Epic Games, je chope des jeux gratos, mais j'y joue pas. Bah moi c'est pareil, hein. À chaque fois j'y vais juste pour voir les jeux qu'il y a gratos. Ça fait un moment que je suis pas retourné d'ailleurs, je vais voir. En attendant.
Pipapou. Ah, il y a Fall Guys qui va être gratuit aussi. C'est nul, faut le dire. Ah, moi je pense que je vais le prendre, il y a moyen Attends, ce jeu de. est payant? Eh, il était payant. Et Oula. tu vois, là c'est marqué Fall Guys, ils arrivent sur l'Epic Game Store le 21 juin. Gratos. Ouais, mais c'est un jeu nul. Ouais, je pense que ça peut être cool. Surtout en mode. En stream, je pense qu'il y a moyen, ça peut être pas mal. Ouais, je sais pas. Je pense que ça peut être bien si t'es un streamer connu. Parce que c'est pas un jeu si fou que ça, donc t'es une petite connue, je sais pas si Ouais, et puis t'as bah des si, je pense potes. que en vrai ça doit être fun, mais tu sais, d'y jouer avec des potes, tu vois. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Je ne prendrai pas ce jeu. Tu peux lancer lui. J'ai envie de jouer à Rengar, mec, aussi, mais. J'ai envie de jouer à Rengar midlane. Alors, il y a quoi de gratuit? Il y a Prey. Prey? Mais Ouais. non. Mais c'est Si. depuis quand? Depuis aujourd'hui? Mais pas, il est Bah gratuit, si, je il est prends. gratuit. Putain, mais Prey? Je prends aussi, mais. Je démarre Epic Games. Et hier, c'était pas Prey, mec. Oh, qui me parle? Pourquoi il démarre pas Epic Games? Parce qu'il est long. Parce qu'il Il y est a un connu. truc qui Avec s'appelle Jotun. 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 Ouais, Valhalla C'est Edition. gratuit aussi. Mais il n'y avait pas que un jeu gratuit. Non, là il y en a trois. Oh, Shulkerbot. Oh, je suis encore En jaune. vrai, je peux tenter mon Jace creep en botlane. Bah ouais. Ouais, Tu bah veux pas un Niki. On va rester là-dessus. je me pose des questions. Hop, ça me vient. Le troisième jeu, du coup, c'est quoi? C'est une C'est stream. Redout. Redout. Mais j'ai pris que Red Out, je crois. Alors, mon mot de passe, c'est le Wood2368. Ah, c'est un genre de Total Wipeout, hein, enfin de Wipeout. Redout. Wipeout, c'est un jeu sur PlayStation 1, Wipeout. Ah oui, ok. Préparation du lanceur Epic Games. Ames. 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 Brand. Brand-moi. Pardon. Charny. T'inquiète. Non, mais faudrait pas que tu te fasses ban à cause de moi, ce serait dommage. Mes streams sont en 18 plus, donc ça va. Ouais, mais même si tu es pas en 18+, c'est pas ça qui ferait ban ton stream. Oui. Par contre, si j'utilise le N-word. Là, par contre, ça serait chiant. Oui, c'est vrai. Quoique, en vrai, t'as une petite commu, tu passerais peut-être à travers le filtre. Ouais, mais bon. C'est-à-dire que s'il y a un jeu qui l'utilise, t'es baisé. Non, je sais pas comment ça se passe pour ça. C'est qui le ADC, mec?
se poser la même question. D'être brand Nami, tu penses? Ouais. Mais je m'en fous. Oh, mais arrêtez de m'envoyer des notifications. Des petites games de merde. J'ai jamais autorisé les notifications. Mais non. Non, mais par contre, il n'y a pas de mise à jour de jeu, espèce de con. Fait la petite pub dans le chat. Dans le chat lol, hein. C'est vrai que c'est des trucs que je fais 12-0. Je fais jamais. C'est des trucs que je fais jamais, mais en vrai, ça peut te ramener des petites communautés, hein, comme ça. Quand tu stream, hop, t'envoies le petit lien. Comme ça, les gens ils viennent sur le lien, ils voient. Si score de merde, ça ne marche pas. Après, ouais, si je fais un score de merde, forcément. Mais après, là, c'est un défi, tu vois. On est en normal game, donc je m'en bats les couilles. Mais Redoute. Oh ouais, mais ça a l'air nul. Ça a l'air le même, mais en moins bien. Par contre, Kyotun, ça a l'air bien. Bah, des trucs autour de la mythologie nordique, de toute façon, en général. C'est pas trop dégueu. J'ai déjà vu du gameplay de ce jeu, mais en vrai. Mais en vrai, il y a tellement de jeux genre que j'ai. Bah, attends, par contre, j'ai pas regardé. C'est quoi le dernier jeu déjà que t'as dit? Prey. Ah. On va prendre le E, on va partir là-dessus. On a dit qu'on partait crit, donc on va faire un shield bow. C'est ça. Vas-y, je vais partir sur le raid. Partir sur le raid en premier. Oh, shield bow BF, mec. GLHF, but not the Garen. Ah, par contre, en vrai, ça va, ça a l'air d'être des gens qui intent pas ou quoi. Enfin. Ça dit GLHF. Moi, déjà, quand ça dit GLHF, tu vois, je suis en mode. C'est bien. Ouais, mais elle est d'une autre Garen, donc je suis pas sûr. De quoi? Elle a d'une autre Garen. Ouais, mais. Putain, il était à 40 balles près. Un hydravion, ça, c'est un hydravion. Donc, du coup, c'est quoi? Ne peut être vendu. Vous posez une effigie qui dure 130 secondes et ressemble exactement à une heure. Ouais, c'est des wards en fait. C'est okay. Des blue trinkets, mais. Mais en. Pas ouf. Ok. T'as pas de la range des blue trinkets. Par contre, vraiment, y'a personne qui est venu m'aider quoi. T'as pas besoin avec Fiddle. Ah ouais? Ouais, avec ton. T'as pris ton bar en premier? Non, j'ai pris mon E. Ah, c'est dans la merde. T'es censé prendre ton drain et du coup t'as pas besoin de lui. C'est quoi le drain? C'est le A ou le E? Le E c'est ton silence. Je sais pas. Je sais pas, ça fait quoi quand tu utilises le spell? Ah non, c'est le Z. Ok, c'est bon, j'ai pris. Mourir, tu sais. Ah merde, j'ai pas changé de scène, quel con. Ah bah bravo, c'est pas grave, ils ont pas vu comme ça. Ouais. J'ai oublié de changer de scène. Après, j'aurais peut-être dû faire. Ouais, je sais pas. Bon, je vais avoir beaucoup de retard, je vous préviens. Après, hein, je répète, hein, c'est un défi, on teste tous les champions du jeu, même ceux que je ne connais pas, dont Fiddlestick, hein, que je ne connais absolument pas. Pas du tout, je pense que c'est viable du moins.
discuter ce que j'en fais. Bon, je vais battre. Ok. C'est pas back. Ouais, c'est dur à jouer. Ok. Ouais, on va peut-être aller prendre le carap d'abord. Parce que là, j'ai été hyper lent, mais de chez lent. C'est un truc de ouf. Ouais, tu t'es fait exécuter par des monstres. Ouais. Enfin, par des monstres. On sait pas, hein, ça se trouve. Ah non, on se touche pas, ça. C'est quoi ça? Ok, donc je me suis fait voler ma... Oui, il y en a qui est fini. Évidemment, je suis mort. Oh, je suis mort. Je suis pas mort. Mais ok, putain, je suis niveau 4, la Diana est niveau 5 et je l'OS. Hein. Oui, c'est normal. Je suis content. Diana, c'est light. Par contre, Fiddle a l'air d'une lenteur incroyable. Oui. Ok. Essaye de comprendre ses spells. Ah, des pré-shot trop bien, c'est grave. Frère, arrête de prendre mes sbires en fait, t'es un enculé de faire ça. Let's go. Je suis Oum.
Sense, quoi. Ça, c'est pas mal. On va prendre les bots. Alors, du coup, avec Fiddle, en fait, tu peux pas avoir de ward, en fait, du coup. Si, parce que à partir du niveau 6, ça fait des wardeurs. Ah, ok. Il est en train de pinguer canon en ville, mais gros, t'avais KDK aussi, non? Je vais essayer un merde. Genre, elle est venue me tuer tout le tour, hein. J'ai plus rien. T'sais. Et l'autre, il est. Une dimension. Je fais n'importe quoi. Allez. Ok. Ils sont là, c'est quoi après une utilisation de 1 se téléporte en numéro 1. Ok. C'est bien comme perso au brand, j'aime bien. Ah, c'est pas mal, Brand. Non, mais genre, c'est ironique quand je dis ça. Genre, vraiment, il roule sa tête sur son clavier et puis je meurs. Ah, mon Z qui est pas parti. Dommage. Ils sont tous bots, frère. C'est qui veut autant de dégâts là? C'est Diana ou c'est Kiana? De quoi? J'ai pas vu qui c'est qui avait fait autant de dégâts là, vraiment. Ah, c'est des dégâts AP ou quoi? Bah, pas sur moi, hein, je parle, hein, je parle. J'ai vu le fight là. Qui a buté le Lyonnais. Putain, mais je suis pas dedans, long. Pourquoi ça me fait autant de dégâts? Ouais, j'ai. Putain, j'ai fait de la merde. My bad. J'étais pas concentré, désolé. J'aimerais bien savoir pourquoi les Zion ils farment à ma place. J'ai pas de dégâts, frère. Oh, ta gueule! T'as vu le move que j'ai fait? Jamais il peut m'atteindre en fait. Back, don't go in, man. Un allié a été tué. Are you ok? C'est devenu en bot. Oh. J'ai tout donné, mais ça n'a pas suffi. J'ai pas de mana, frère. J'ai aussi peu de mana, j'ai mis plein. Ah, mais je me disais, tu sais, ce que j'ai. Dans les runes, j'ai pris le. Un stopwatch, mais je me disais, putain, pourquoi elle a pas proc? Mais en fait, j'étais pas sur la bonne touche. C'est du génie, ça, hein. Bon, il est limite. Qui c'est qui a dit limite?
Ta gueule, le chat. Non mais j'essaye de remonter et ça marche pas. Eh, salut Choupeta. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Ça va comme tu veux, bah écoute, ça va super. On se tente un petit nouveau défi. Il fait pas de dégâts. Merde, je suis un connard. I'm so débile. Tu nous manques beaucoup. Ah ouais, à ce point-là? C'est une ancienne collègue de là où je bossais avant. Mais arrête de prendre en forme. Ouais, de ouf. Putain, je pensais pas. Bah, ça fait plaisir, ça m'a droit au cœur. Allez, bute-le, let's go. Ah, écoute, tu passeras le bonjour à tout le monde de ma part. Hein. Attends, par contre, faut absolument que je me feed. Hein. Bah, comment dire que beaucoup de choses a changé. Ah ouais? À ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Y a quoi qui a changé? Ah, je veux savoir moi maintenant. Fred et Marion ont passé sur l'aérien. D'accord. Wendy est sur l'aérien aussi. Ah ouais! Ah ouais, donc il y a quand même un peu de monde. Elle aurait passé sur la boîte orange. Ok, d'accord. Tu es vraiment aussi mal que ça, lui? Qui ça? Bah, bon. En même temps, il a déjà un item et ses boîtes en deux. En vrai, c'est pas mal, Fiddle. Hein. Ouais, ça a grave changé, mais en bien, donc ça va. Ouais, bah oui, j'en doute pas. En gros, elle est en train de dire que comme t'es parti, c'est mieux. Juste les autres personnes sur la boîte rouge, ils en foutent pas une, enfin bref. Ah ouais, mais y'a qui du coup sur la boîte rouge maintenant? Ça parle vraiment boulot, tu vois, genre. Ancien taf, incroyable. Ah putain, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et moi je suis sur du 8h-16h. Ah ouais! Kelly, Francky, Guillaume, Katel et Julie. Alors je sais pas qui est Katel et Julie du coup, ça doit être certainement des personnes qui sont arrivées. Ah mais si, putain, je suis débile, Katel, mais oui, non, je dis des conneries. C'est les per... Oui, c'est... je vois qui c'est. Oh là là. J'avais oublié ces personnes, malheureusement. Je suis désolé. Mais bon, je n'ai rien de tout ça. Mais ouais, c'est ça, c'est Julie que j'ai pas connue, ouais, c'est ça. Je dis bien que... Mais oui, Katel, je vois qui c'est. Ah, par contre, du coup, je suis... Faut que je me recale dans la game. Parce que vraiment.
Wow. Bon, je peux rien faire contre la Diana, c'est normal. C'est pas ouf, pardon, MDR. Non mais t'inquiète, y a pas de problème, au contraire, c'est un plaisir. Par contre, faut que je pense que j'ai mon ma stopwatch. C'est vraiment là, depuis tout à l'heure, j'utilise pas. Ça ne fait pas de dégâts, mec. Je crois que le double crit sur le Jace, c'est de la lutte. Hop, hop. Non, je suis pas dedans la bulle là. C'était quand même mieux quand tu étais là. Ah, merci. Bah, c'était cool, hein, moi, j'ai grave, grave kiffé, hein. C'était une sacrée bonne expérience. Mais j'avoue que t'as fait sur YouTube et Twitch, bah, c'est très cool aussi. Il faut que je prenne du temps pour finir les montages qui sont en cours. Il y a encore deux vidéos qui devraient sortir sur YouTube. Oh, je peux rien faire. Surtout c'est quelque chose que tu aimes, donc c'est encore plus plaisant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Totalement ça. Et d'ailleurs, nouvelle et première musique, on va dire, officielle qui est sortie sur mon SoundCloud. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est genre, je suis trop trop content de ce que ça donne. C'est pas le premier son que j'aurais voulu sortir, hein, parce que... Premier son qui devait sortir est chaud en... D'ailleurs, je suis un peu blonde. Bah en fait, on peut l'écouter sur... Sur SoundCloud. C'est un genre de Deezer. De Deezer, mais gratos. Enfin, gratos. Plus ou moins gratos. Où tout le monde peut créer du contenu dessus. Oh putain, SB, on était voir. Wow. Ils C'est pas sont du trop tout ce forts. qu'on veut. Non, c'est juste qu'on est des merdes. Donc on peut l'écouter sur SoundCloud. Je vais mettre le lien dans le chat après. J'ai écrit, c'est mieux à chier, mec. Ne le fais jamais. De quoi, JScript? Ouais. Tu me fais pas de dégâts. Genre vraiment pas. Sound Cloud. Alors, Azox. Let's go. Et voilà. Le lien vient d'apparaître dans le chat. Hop là. Voilà, j'ai fait moins de dégâts que Et tout le monde. vous pouvez aller partager ça sur vos différents réseaux. Et partager ça en masse. Bon, c'est un son un peu tristoun. On va pas se le cacher. Moi j'avais un titre. De quoi? J'ai un titre, mec. Un titre pour... Ah, ça y est, t'as Ouais, un j'ai un titre. album. Hein? Moi aussi j'en ai un, c'est collectionneur. Moi c'est survivant, mec. Waouh. Alors, Fiddlesticks, ça y est, c'est fait. Bravo. Premier champion qu'on aura utilisé dans ce défi. N'hésitez pas, ouais, à partager le son à fond, hein, peut-être que ça va me faire percer, on sait jamais. Je sais pas si je diffuserai autre part que sur SoundCloud. Sur Spotify, ça a l'air d'être la merde, je comprends rien. C'est la merde. Oh, je suis en botlane. Je vais jouer Mordekaiser.
Alors, qui qu'on joue en bot lane? Donne-moi un champion comme ça. En bot lane? Ouais. Samira. Allez. Par contre, si je joue Samira, qui qu'on banne? Lucian peut-être. Pas mal. On banne Lucian. Je banne quoi moi? Je l'avais pas d'idée donc voilà. Ah non. Et Samira c'est nickel parce qu'en plus elle est dans la rota gratuite. Qui banne Mordekaiser mec? Personne fait ça. Bah tu peux jouer Echo. J'ai pas envie de jouer Echo. Je vais jouer Mord. On va jouer Samira. Samira que je n'ai pas en plus, donc c'est nickel parce qu'elle est dans la rota gratuite, donc parfait ça. Jouer Mordeux. Mort de couille. Je vais voir. Allez. Il prend GG. Hop, il y a rien, il me prend pas. Warwick, je ne connais pas le champion. J'ai joué genre une fois quand j'ai commencé le jeu. Oh bah c'est nickel en plus, c'est contre un Kayn donc t'es un bon counter. Mon counter de Kayn. Ah, j'ai Warwick de feu comme skin. Non, ce qu'il y a comme skin sur Je Samira. savais pas que j'avais un skin Warwick. Il y a Astro Groove et y a Psycho Guerrière. Ah, oh, Psycho Guerrière, elle a l'air stylée en vrai. Ouais. Moi j'aime bien Astro Groove, il manque. J'aime pas les skins Astro Groove souvent, sauf certains. Dont Samira. Un smite. Effectivement. Bien vu. Problème en catastrophe. Ouais. La catastrophe. Je vais quoi? Je suis contre. C'est normal qu'ils aient pas de smite en face? Je sais pas. Ça veut dire que je vais. Pourquoi les rôles ils sont pas dans le bon ordre, mais. Mais ouais, c'est chelou ça. C'est trop relou quand ça fait ça. On a Nico et Maîtrise 7 avec nous quand même, hein. Et ils ont pas de smite dans leur team. Ça fait plaisir. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, bah le Kayn il va galérer. Parce que c'est Kayn sans smite. Bah n'importe quel jungler en sans smite, c'est pas ouf. C'est clair, oh, attends. Juste. Non, c'est Hop fou, là. c'est un jet de jungle. Voilà. C'est un jet de jungle, c'est bien, genre. Quand t'as. Voilà. Quand t'es niveau 6 quoi. Ah bah Mais genre pour farm en early c'est infaisable. Ils ont tous un skin en face. Attention. On a perdu. Bah t'as pas pris de skin toi non? J'ai pas de skin sur ces mains. Je croyais que tu me disais ça parce Non, que t'avais je. les deux et que tu Ah non, pensais non, que non, t'allais non. te choper. Bah non, parce que j'ai déjà pas le champion. Ah, je l'ai pris parce qu'il était dans la rota gratuite. Bon courage pour mettre ton R. Hein. Je connais absolument pas ce champion. En Pour mettre ton plus. R, faut que tu fasses des combos. Faut que t'aies un S en combo et pour avoir un S, enfin pour augmenter ton combo, faut que tu alternes des spells et des OP. Non. Super. Bon courage.
Donc on est sur un champion assez dur mécaniquement du coup j'imagine. Tu prends quoi comme tu prends le rouge ou le vert? Ou le bleu? Ça va être rouge, non? Ah bah faut prendre tout. Enfin en vrai là c'est. On est sur une méta smite rouge en fait dans tout. Peu importe en fait, genre c'est méta smite rouge quoi. Je vais vous gank en premier, est-ce qu'ils vont push plus vite que vous? Je pense. Ah non, ça doit attaquer le mid et c'est top. C'est quoi qu'il faut que je prenne en premier, moi? Ah ouais, c'est quel spell qui te fait régène? Je crois que c'est le 1. Qu'il faut que je max de toute façon. Ouais, bah ouais, c'est mieux. Et après, Et tu dès seras que j'aurai un imbutable. max, ce sera le Z ou le E? Le mieux, c'est de faire AZE. En max? Ouais, c'est ça. Bon. Et à débloquer, je débloque le E avant le Z quand même. Ah ouais, en vrai, ouais, c'est peut-être mieux. Ah, dommage. C'est mon erreur en fait. Nice. Bon, c'est pas moi qui ai le kill, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, mais c'est le plus très rapide, mais pas longtemps. C'est qui est l'eau là? C'est moi. Ah merde. Mais non, mais chez eux. Non. C'est Bon, ils ont à peu près la même life. Je sais pas, j'avais une marque. Mais ça m'emmène où? Ah, mais c'était au top, c'est 7 kilos. Même ça au bout, je crois, c'est pas grave. Il est moins low que le Shogat, hein. Oui, mais il était assez low pour que mon Z, le passif de mon Z le voit. Ah oui.
Ok, d'accord. Ouais, mais frère, à un moment donné, fais toute la map aussi comme range luxe là. De quoi, de saccage? Non, pas saccage, son. Ils ont un demeure ou quoi? Ouais, le Kane. Mon frère, il est niveau 3. Ah mais c'est beaucoup quand même. Faut que Luc faut que ça s'arrête ça. L'autre, elle a toute la map. Ça range quoi, genre c'est abusé. Venir m'aider, ça vous intéresse ou pas, quelqu'un? Pour Non, mais j'étais poursuivi par Kane et l'autre, là, comme t'appelles. Ouais, mais frère, à un moment donné, c'est trop là. L'autre, je suis sous la tour, elle. Alors. Genre, je suis là, elle est là, et elle peut me one shot. Sans problème, quoi. Genre, c'est chaud quand même. Aider là, trop loin. Ok. Eh ben j'aime beaucoup ton son. Bah merci. Le perso, hein. Ah, c'est luxe là, c'est vraiment chiant. Mais non, mais non, mais je flash! Ça casse les couilles. Luc, c'est vraiment de la merde. Hein. Ah oui, Luc, c'est un perso que je déteste. C'est en vrai le gameplay de Samira, je le trouve pas trop dégueu, tu vois. Alors j'aime bien, tu vois, C'est de la merde. mais contre Lux, je peux rien faire quoi. La in range d'enculé. Faut que je me mette des mercures. Je crois que je vais mercure.
mode rec, non, toi, tu... Attends, j'arrive, mec. Salope. Voilà, c'est ah, c'est mort là. Ça me saoule. Tu vas me donner envie de jouer MDR. Non, on a des gens qui font Agile Solaire sur Warwick. Sur Warwick. Ouais, je sais pas. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais, mais... Du coup, ça te fait un Warwick top, quoi. Ça fait up tank, je veux dire. Ce qui est chiant, c'est qu'elle arrive pas à placer ses spells, la Séraphine aussi. Elle a tout loupé depuis tout à l'heure. Je demande quoi, on m'a dit? Bah ton Z au max. Bah d'abord le Q et après le Z. Ah, ouais, d'après le Q et après le Z. En fait, le Z, à part le passif, il t'en bat les couilles. Non, mais c'est trop. L'autre, elle a deux fois plus de range que moi. Avec moi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je peux rien faire en fait. Enfin, j'ai juste lose ma lane uniquement par le match-up. C'est tout. Mais regarde, je suis sous tour, l'autre elle est quasiment dans, elle est dans la river et elle peut me. Bah, elle peut me tuer. Hein. Voilà, je peux rien faire. Bah bien joué. Puis la Séraphine qui loupe vraiment tous ses spells hein, depuis le début du. De quoi? Tiens, salope. Ouais, t'es caché dans le buisson, mais moi je te vois avec mon passif en fait. En fait, je suis Warwick. Moi, je ferme carrément mieux qu'eux, mais c'est vraiment genre. La luxe, elle casse les couilles en vrai, ouais. C'est... Non, non. Si. Il
aussi Malone. Mais... contre la Lux, alors que la Lux la déchire en 1v1. Mais... bah, Séraphine, depuis tout à l'heure, elle a pas touché un de ses spells. C'est vraiment genre insane. Hein. Je viens de l'avoir touché, mec. De quoi? Je viens de l'avoir touché un spell, tu dois être de mauvaise foi. Bah, peut-être elle touche ses spells uniquement quand elle est au mid. Hein. Ouais. C'est un passif de Séraphine en fait. Je le savais pas. Ah ouais, oh, la range de Lux, faut qu'il la change. Hein. C'est pas possible. Bah, non, de son. Son cercle là. Ah, je peux, voilà, voilà, je suis dans sa cage, elle me one shot. Ma game est finie, ça y est. Et la merde, parce qu'il y a un break. Ah, moi c'est bon là, ma game elle est morte. C'est à mort. J'aime pas jouer ADC. C'est pas mon. Après, ça dépend, tu vois, quand c'est des trucs genre H et tout, ça va, tu vois. C'est des champions que je connais. Après, la Samira, là... Pff. Quand tu connais pas un truc et que t'es... quand tu connais pas un champion qui t'es mate, ils sont vraiment, genre, mauvais. Bah, surtout quand ton support, il sert à rien, quoi. Non, il faut y aller là en fait. Faut aller au Drake. Ouais, go. Je sais qui m'intéresse. Le Kane, il est inexistant. Hein. Le Kane, la dernière fois qu'il a été vu, il était niveau 6. Il y a les... Oh, j'aurais pu R et j'ai pas pu R. Attends, par contre, c'est là, c'est... c'est trop de la merde le coup du R, il faut que ce soit un S là. Parce que c'est... Mais en fait, c'est parce que t'as pas de CD, donc en fait, c'est très fort quand tu maîtrises le champion, parce que du coup, tu peux le faire deux fois dans le même fight. Bah ouais, ok. 4-4, mec. Bon, il faut absolument que je prenne des mercures hein, parce que sinon, vraiment, ma game ça va être un cauchemar. Je il a mangé que 4 trucs, 3 sbires et un champion. Ah, mais il est en 2-0-1, tu vois, genre ça va. Mais Jogat, oui, c'est un père soleil. Quoi. Pourquoi c'est une méta Snake Red? Avant c'était Snake Blue la méta. Ouais, bah je sais pas. Je joue pas, je joue souvent jungle donc. Genre je regarde les méta genre sur les streams et tout. Et. Let's go! Moi, putain, j'ai tout fait dans ton. Ouais. Ah non, mais je dis pas le contraire. Hein. Pour acheter mes mercures. Voilà, après je vais prendre Percepteur. Après,
on va aller Gwen sur Akali. Je suis en enculé, putain. Je suis passé, j'ai pris le canon, je me suis barré. Ah non, il m'a pris des points. Je suis désolé, hein, je prends la raid. Hein, mais... Il y a quand même plus de chances que je le perde moins, toi. Voilà. Bon, tu m'en veux pas. Non, non, t'inquiète pas. Hein. Mais... Back, non t'as vu sa range? C'est insane. Non mais c'est juste qu'elle veut pas de back, c'est trop dessous. Ah mec, il me manque le 32, je suis un commun. On va prendre un peu de létalité là quand même. Hein. Prends quoi là? Percepteur. Ouais. Bah, je pense pas trop mal, tu vois, percepteur. Oh, mais regarde. Ah bah t'as réussi à mettre un air mec. Ouais. Ça fait mieux que Roux en 5 games. Ah ouais. Let's go. Désolé. Ça fait un petit jump la morsure, c'est cool. Let's go. Non, je vais prendre la wave là, comme ça j'aurai mon percepteur complet. Bah non. Tac. Moi, je viens de finir. Arc mes couilles là. L'arc de attack speed là. Comment ça s'appelle? Ah oui. Et une grosse coche. Dans 500. Dans 300 gold. J'ai des arcs. Salope. Prends le canon et on se casse. On maquage, c'est plus. Salutation de Dominique. Après. Après, je pense qu'on a repris le dessus, surtout parce que le Kane, je pense qu'il est AFK là. Bah, je pense bien. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il était très présent dans la game. Même en early, tu vois. Ah, même en early, il était très mauvais, mais. Putain, je me suis vraiment pris le bout de son ulti, quoi. Bah écoute, c'est pas mal en fait, petite Samira en late, hein. Bah oui, mais c'est un perso light en fait. Bah je vois ça.
Comme tous les années en fait. Ouais. C'est BRK, mec. En vrai, il y a moyen, on hache. Je vais finir l'antil ou Dance Dance direct. Non, ils veulent pas partir au Nash, les bâtards. Bah, moi je veux bien, mais. Oh non, c'est trop tôt. Ah, quoi qu'ils ont pas de jungler. Hein. On peut le faire à deux, je pense. Ah, il y a peut-être moyen. Hein. Bah, de toute façon, là, ils les occupent à fond. Parce qu'en vrai, s'ils arrivent à les maintenir, ça fait Nash et End. Hein, donc. Moi je prends T, mec. Voilà. En plus, le joueur qui est le plus loin du Nash, le plus près du Nash, il fait moins de dégâts contre le Nash. Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Wouah! Ouais, tu vas te faire OS. À moins que. Oh, let's go! Non, Tino, comment on a tué? J'ai pas vu le step partir. Ah, Jésus qu'elle a envoyé son E, mais. T'as vu? T'es sûr, mais dommage. J'aurais du temps que quoi sur la télé, ça. Un petit cul là, voilà. Bah écoute, moi j'aime bien. Non, en vrai, ça a l'air beau là. Franchement, autant en début de game, c'est vraiment galère. Un train après. 104, quoi. La Nico elle est en train de rager parce que genre je steal tous les kills a priori. Bon j'avoue sur 9 j'en ai peut-être steal 7 mais Non peut-être pas quand même. Nico. Ouais. On s'en fout mec, t'as décidé, c'est ton job de steal. Ok, il l'a mangé, c'est mort. Warwick, le perso est. Genre quand t'es devant, t'es trop bien en fait. Bah, je suis pas ouf, mais c'est parce que tu. Je connais pas le perso. Je... On va rentrer full, les gars. Par contre, je comprends. Je comprends tous les Warwick teubés qui. Ils sont là en mode jeu, ah oh, une marque de sang, je poursuis. Et qui vont se suicider tout le temps, c'est comme des cons. Ça donne envie en vrai. C'est très con de faire ça parce que du coup tu perds, mais ça donne envie. Oh dommage! J'ai pas joué grand chose. Yo ou soif de sang? En premier. Je vais peut-être prendre soit 200, ça me fera du heal. J'adore quand les ennemis se jettent dans mon air. De même, je l'avais raté. Ah, mais il y a encore la T2 là. Il y a encore la T1 en fait, bot, les gars. D'où Nico elle prend des raids comme ça.
Qui c'est qui a pris interruption? Ah merde. Elle est trop con. Bah non. Bah ouais, mais non. Enderlol, non. Ah, j'ai envie de faire chier. Ah, je vais trop la faire tilt si je fais ça. Elle va trop en avoir marre la lutte, mec. Ça fait trois fois de suite que je la lutte. Vous achetez? Je suis intuable, je suis intuable. Les deux mecs, je fais visage pipi de Death Dance et je suis intuable. J'ai à peu près compris le combo, c'est génial. Ah ouais, c'est quoi le... Mais en fait... Tu fais Q ouais. Auto E. Ah ouais, c'est quoi? E c'est le dash? Ouais, et après tu refais Q auto. Et Z. En fait, tant que tu fais pas deux fois la même chose de suite, ça passe. Et comme ton spell, ton Q, il a genre distance et corps à corps. Ouais. Et bah du coup, en 2-2, en plus on a la mech tech, donc au niveau des spells, c'est trop bien quoi. Ah c'est génial, franchement je kiffe de ouf en vrai. Le perso elle est vraiment stylée. Hein. Moi il m'intéressait aussi. Je pense en dernier item, faudrait peut-être un truc, tu sais, genre... Une BT. De quoi? Une BT. Ouais, tu as un truc dans ce genre-là. Une BT, c'est trop bien sur ce mur-là, par exemple. Ah, t'aurais dû faire BT et IE. Pourquoi t'as fait un Dominique, mec? Pour la létalité. Bah ouais, mais ils avaient rien qui tankait, c'est, il était pas du tout tanké. Ouais, pas faux. J'ai pas trop fait gaffe. T'aurais dû faire BTIE à la place. Ah ouais, pas con. Un petit C plus pour une première game, pas mal. Ouais, bah ouais. Un petit A, pas mal. Pour une première game aussi. Ah non, j'ai fait moins de l'électrique, je me dégoûte. Alors, Samira, c'est fait. Et tout le défi, tu vas le faire en stream ou tu vas en faire en off? Le but, c'est de le faire en stream. Ouais, j'avoue, c'est pas très drôle de le faire en off. Le but, c'est de le faire en stream, ouais. C'est vraiment un défi stream, sinon, en vrai, bah les couilles, tu vois. Mais en vrai, c'est pas mal, hein. Je montre là. On a donc Samira et Fidol. Et tous ceux en jaune, hein, je rappelle, c'est ceux que j'ai pas acheté encore. Que je n'ai pas disponible. Après, ceux en jaune, on pourra quand même les faire. Dans le sens où. Ah, je suis encore bot. Super. Samira jungle. Oh, j'ai envie de tester. De toute façon, on est en normal game, on s'en bat les couilles. J'ai envie de tester, mec. Qui qu'on va ban Je sais pas si c'est ce qu'il faut, mais j'ai envie de tester. Qui qu'on va ban C'est memory, non? En vrai, qui c'est qui peut être chiant? Bah, si, je sais. Hein. Voilà. Oui. Alors, qui qu'on peut jouer En plus, c'est moi le first choice. Mec, je vais sortir ma juste, putain. Qui j'ai jamais joué encore? T'as jamais joué? C'est Nasus Jungle, il stop. C'est trop bien, Nasus Jungle. J'ai quoi? J'ai Aphelios H. Oh, Draven, en vrai, ça peut être. Oh, allez, une petite Tristana.
Je la connais, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le but, c'est de Ah jouer ouais, tous les persos du j'imagine, jeu, t'as donc. tué Vasco, donc il m'a dit que tu allais jouer. Ouais, c'est ça. Tout ta tout tout ta tout tout ta ta. Moi, ce qui me rend malade, c'est que je vais devoir jouer Teemo. Et là. Tu as déjà joué, Timo. Oui, je sais, mais. Mais en stream, quoi. Tu fais une game et c'est passé. Ouais. Jouer Teemo Ah jungle. là 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 là. En vrai, Teemo jungle, ça peut être cool. Hein. Tu fous tes champlars partout dans la En jungle. vrai, ça fait, mais ça doit pas être simple à gank. Gank, non, mais. Ah, contre Warwick. Ouais, y a moyen. Hein. Bah, si je passe mon R Tu bien. le Z et tu le E avec ton R. Y a moyen, Mais je vais Tu jouer le AD, Z et hein. tu le A, je veux dire. Ah, Ouais. tu joues AP. Non, AD. AD, AD, ouais. Ouais, c'est pour Non, parce ça. que AP, ça m'a... c'est pas ouf, à mon avis. Non, vaut mieux AD en jungle. En plus, tu farmeras vite, du coup. Plus tu stack, plus tu vas farmer vite. C'est beau. Faut pas que je rate mes QCL, mec. Pour la steep. Genre mon premier buff, si je rate mon last hit, open. Open, GG go next. Mais non, c'est mal. En vrai, c'est ouf puisque Nasus, c'est vraiment un perso où tu prends un item dégâts. Après, tu prends que du stuff défensif, de toute façon, tu scales les dégâts. C'est moins chaud, je suis content. Et surtout qu'on est au mois de mai, quoi, c'est ça qui m'abuse, qui m'hallucine. Non, mais là, ce point climatique, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas, voyons. Non, c'est une invention des Chinois. Les Espagnols, mec. C'est pas Trump qui avait tweeté ça, genre le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois? Je sais pas, je m'en fous un peu des trucs de fond. Tic tac Oui, mais. toc, tu devras gagner le push, donc je vais commencer bot. Pour gank top en premier. Normalement, tu pushes plus vite que Veigar en early. Ouais. J'avais une bête, c'est là. What? C'est un bordel son cheval là. Parce que j'ai vu le cheval, j'étais en mode. Bah, y a pas de réel pourtant. D'ailleurs, elle, on la voit plus. Elle est sortie, elle a. C'est normal, le perso est pas ouf. Il est beaucoup trop situationnel en fait. Faut que la team d'en face soit full tank en fait. Ouais, j'arrive. Parce que l'armure que t'as, c'est l'armure que tu voles aux ennemis donc. Hop, un petit pourfendeur d'or divin et puis c'est gagné. Hein. On le vole s'il n'est pas là. Hein. Oh ouais. C'est bon, j'ai deux stacks de bugueuse, mec, c'est gagné. J'ai pris son gros. Oh, j'arrive pas à farm, ça me casse les couilles. Non, c'est chier, j'ai raté.
Mon trade. Ça flash. Ah! Mon canon. Chier. Merde, j'ai un connard. C'est bon, on s'est rattrapé. Vraiment là? Ah, il faut s'en penser qu'il a fait. En fait, ça. Ah merde, il m'a pris mon bleu. Ouais, bon, bah j'ai pris son grand, c'est pas lui. Bon, les gars, je vais arrêter de mourir avant même que je sois passé niveau 4. Mais non, putain, mon canon là! Putain, je suis vraiment une merde pour la site avec Tristan. Hein. Nice, putain de merde. Avec des carapes. Le Warly, je l'ai défoncé en V1, mais il y a le gun qui est arrivé et la 3 qui le. Ah, ok. Le coup est en 0-2. C'est la merde. Bah, il l'a déjà fait depuis une demi-heure en fait. Du coup, je peux venir. Hein. Elle a back, l'autre. Ah, il y en a un qui a back. Par contre, il casse les couilles la Senna là. Non, c'est le Echo qui casse les couilles. Mais... Vraiment, il me pète les couilles. On a perdu le break. Après, c'est le premier, c'est pas non plus. Mec, c'est le Echo, il décale pas. Il décale, je suis déjà mort. Tu vas pas me dire qu'un Echo, ça court pas vite en plus. Oui. Ah. Le cold drake était pas le meilleur, j'avoue. Mais non.
Mais putain, mais il arrête de piquer mes... Ouais, il prend mon farm. D'après la buveuse, j'ai appuyé sur la buveuse, ça va pas marcher. Mais j'ai pas de bot, moi je suis un docker. Écolo est en 0-3 mec. Yes. Le Atrox aussi. Yamelou. Ah donc on arrive avec Harry. Non mais il est trop con. Mais il est trop con. Il est vraiment trop con. Bah le C la Senna. Bah en gros il restait pas beaucoup de vie au Warwick quand il est reparti, tu vois. Bah il s'est dit vraiment genre je vais y aller jusqu'à ce qu'il meure. Sauf que bah du coup il y a le Veigar qui est arrivé, la Zyra après derrière, tu vois. Du coup il est mort comme une merde. Ah ouais, donc vraiment sous tour, je pue. Oh là là, je pue la merde. Ton champion, Et merci pour le follow, Ellen Pikachu. Bienvenue à toi. C'est qui c'est? C'est qui? Ah, je connais ce pseudo. D'accord. Hello, petit follow pour le soutien, merci. Mais je peux pas t'aider, je suis vu. Putain, t'as 3 niveaux de retard, tu te fous de ma gueule. Ah, je peux rien faire. Peut-être plus la merde pour l'obscur, plus la merde même. Putain, mais faut qu'il arrête il faut qu'il arrête de prendre mes farms parce que là ça commence à me casser les couilles hein.
Je ne peux rien faire, c'est peut-être parce que t'as feed. Qui c'est à moi? Non, il y a Trox qui se plaint de rien pouvoir faire. Ah oui, non mais... En même temps, ouais, c'est compliqué, hein. Super. J'ai pris tout dans la gueule là. On a un meilleur scaling, non? Non, c'est faux, ils ont cette abomination là. Et celle-là aussi. Ouais. Ouais. J'ai perdu. Bah parce que ils ont go in, donc du coup moi je me suis barré parce que bah genre je savais que sinon ils faisaient le 0 pour 2, tu vois. Mais apparemment ça ne veut pas. C'est ça. C'est ta faute aussi, t'as pas pris de AM dans tes runes. Là genre sous tour tu vois, ils peuvent vraiment m'OS mais vénère quoi. J'ai 250 stacks. Non, un peu. Ah, là, ça va être compliqué. Hein. Il est où le Aatrox là? Ah oui d'accord. Non non, il est mid. J'ai mon design. Oh bah là ouais. Ouais bah voilà. Hop là. Ouais, tu peux le dire, effectivement. Oh, oui, hein, on est bien là-dessus, on est bien d'accord. Mec, il y a un moment quand t'as zéro opportunité de banque, tu fais quoi? Je répète jamais. Ah, bah. Bon, j'ai fait zéro, les gars, j'avoue. Ouais, et du coup, j'ai croisé personne aussi. Alors là, c'était Tristana. 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 Allez, ce serait bien un autre poste que bot là. Si t'es bot, je veux bien soif. Bah, je suis chaud. Hein. Non, bah. Ah, c'est moi. Bah, je suis dans la jungle. I'm dans la jungle. Alors, dans la jungle, moi je vais qui? En vrai, je vais jouer Master Yi comme ça sera fait, tu vois. Mais Master Yi, mec, ça va. Non, mais comme genre, quand je suis jungle, c'est celui que je banne, tu vois, donc par défaut, donc je me dis au moins, tu vois, genre. Par contre, qui banne contre Master. Oh, bah, si, je sais ce qui je vais banne. Non mais j'ai envie de jouer First Strike moi, c'est moi je veux First Strike. Tac, tac, tac. Alors Yasuo. Ça. Yasuo top en plus. Mmh.
Exanx. Putain, Rengar, putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu Rengar, tu vois. Oh, je suis Senna, mec. Elle va me KS tout le monde. Rengar, ouais, ça va me saouler. Je suis pas content. Alors. Donc, Rengar, il gagne contre toi en early. Hein. Oh, bah oui, ça je sais. Face de fait. Contre qui Rengar perd Le gros chat. Miaou. Et tu sais Rengar, je pense. Il se prend pour Rengar. Qui ça, Twitch? Il craque tes posters et tout. Non, Stitch. Ah oui, Stitch. Ah oui. Pour Rengar, il craque tes posters. Il marque son territoire sur ton ligne. Le rythme dans la musique, quoi. Le rythme dans la peau. Putain, c'est ça que j'ai pas fait. C'est quoi ? J'ai pas pris mon skin. J'ai pas mis la musique que je mets d'habitude quand je fais du. Bah, moi j'ai pas mis mon skin. Je pense que ce sera ma dernière. Ce sera ta dernière pour toi? Alors, je sais pas si vous l'entendez bien. Hop, on va faire. Voilà. Comme ça, vous entendez la musique. Peut-être je vais prendre mes items aussi. Ça serait peut-être mieux. Je vais aller faire. Je vais faire le top en premier. Jouer vers USAP, tu penses? Oui. Il y a de la ratio AP sur le Z, donc. On me dit c'est sûrement jouable. En vrai, Metroid, genre, si tu fais les corbeaux en premier, tu peux le faire solo? Pas sûr. Ah ouais? Vas-y, je vais tester en vrai. Pourquoi elle est là, le blanc? Ah oh bah non, il va venir faire, m'aider à faire le raid, moi je te ferai plus tard. Et t'as plus de blue hein, par contre. Ah ouais? Oui, là le blanc a failli mourir. J'ai vraiment raté deux sbires là. C'est la première fois que je joue. Je crois que ouais, ça doit être une des premières fois que je joue. Pourquoi si là c'est mid? Si là ça fait quel mid gratos comme ça au niveau 2? Ah, bonne question. Je vais mourir.
Fuck it. Dommage. Moi, je vais avoir un gros retard là sur sur le Mais j'ai cliqué sur ce sbire. Rengos. Hein. Peut-être essayer de voler son blue et. Et il est arrivé au dernier moment, il a pris le blue, il m'a buté. Et fais gaffe, ils arrivent là, il arrive là. Non, il est mid. Il est back. Non, il est là. Je vais pas t'aider. Sorry, mec. Non, t'es pas mort, tout va bien. Non, non. Je sais pas où il est le bon, l'enculé. Ah putain, il vient de faire le carapote. Bah j'ai pas eu de farm, hein. Là genre ce... Y a le Silas sur toi, mec. Ah ouais, attends-le, mec. Mais il y en a pas. Il viendra pas. Ah, je peux rien faire, putain! Non. Oh là, le blanc, elle a failli gérer. T'as pourquoi il est tout le temps sur moi là? Il me focus, c'est un truc de fou. C'est normal, c'est un game. Le principe du gameplay de ce perso, c'est d'empêcher l'autre jungler de jouer. Ah bah il arrive bien. Ouais, c'est ça. Ça bon, sang il est tout le temps sur mon cul et j'ai pas pu à moins 20 CS tu vois genre Tout ramène à celui-là. C'est que la Jinx a pas l'air folle. Mais non, les spells ils partent pas. Mais les spells ils partaient pas, frère. C'est le prochain. C'est pas grave, j'ai pris un kill. Ouais, mais frère, il est tout le temps sur moi, je peux rien faire. Comment il sait, putain? C'est un truc de fou! Mais il sait parce qu'il connaît la jungle et qu'il sait que tes camps et quels camps sont up et quels camps sont pas up, donc il va aux camps qui sont up. Du coup, il te détruit. Non mais je peux rien faire là. Ah, je sais que ça sert à rien que j'aille faire mon blue parce que de toute façon je peux pas pouvoir le faire. Voilà, il est déjà dessus. J'arrive.
Je peux pas. Voilà. Ma vie, c'est de la merde. Mais c'est là, ta mère la pute, quand je te ping de venir m'aider, viens m'aider, non? C'est trop chiant. Mec, pourquoi on est dans des équipes de merde? On est en 9-1. Genre, je veux bien qu'on joue mal, mais tout le monde joue mal, genre, normalement. Let's go. Allez. Ici là, c'est parce que je veux pas en backline que chez lui. Wow. Ah, ça aurait presque pu le faire. Ah, vas-y, je vais attendre mon item. Il arrive dans 3 PO. Hop. Et salut foutre divin, bienvenue à toi sur le stream. J'adore ce genre de pseudo. Ah ouais, t'aimes le foutre. J'adore ça. Voilà, je peux rien faire. Je peux rien faire. Mais non, putain, j'ai mis ce clic. Mais le Sylas il s'est pris pour un jungler, hein. C'est insane. Hein. Mais le Sylas, mec, il a raison. Et ça, enfin, il joue roaming et ça marche. Donc il fait bien en fait.
C'est devenir bot. Il faut que j'essaye de me fit un peu quelque part là parce que. Pourquoi? Je me suis fait ult. Ah, je l'avais pas vu l'enculé. J'étais mort. Non, mais j'étais mort. Il m'a ult, j'étais mort. Ah, j'ai essayé de focus la Jinx, mais compliqué. La Jinx, c'est nul en plus. Pourquoi on n'a pas de team jamais genre. Genre le Silas, il est free sur la map, il se promène où il veut, le blanc, elle s'en bat les couilles. Je pense que ça me touche. Ah, ça se trouve, le late game va être à nous. Ouais, parce que je prends des shots de 1000 gold, ça peut aider, effectivement. Non, on y va pas. Ah, des petits shutdowns comme ça là, 900 gold. Ça en fait plaisir. On perd les tours. 123-7. Ouais, non mais. Faut essayer d'aller au drac. Mais levez pas le piège! Bah t'es mort, on va pas faire de drague. Hein. Bon. Ouais, ils vont être en drake de toute façon. En fait je peux pas aller en side lane parce qu'ils ont un Rengar. Non mais Rengo c'est insane hein. Franchement genre je peux, pas aller en side, je suis obligé d'être mid. Putain, et j'essaie de le focus mais c'est impossible. Fais lui esquiver mes flèches mec, c'est un bon plan. Let's go. Pourquoi il est pas allé au drac? Je vais épuiser ma main.
Évidemment. Putain, ils sont tous au mid depuis tout à l'heure et le seul putain de d'instant où je vais au Drake, ils sont au Drake, quoi. C'est quoi cette non-luck? Bah, on avait tous bug, donc... Ouais, mais m'écoutez pas surtout, hein. Allez pas à speed push, restez en mid lane, comme ça je peux pas farm, c'est bien. T'as beau leur dire comment il faut jouer, parce que tu sais que c'est ce qu'il faut, et ils s'en battent les couilles. Hop là. Mais le Rengo, c'est un truc de ouf. Laisse tomber, mec. Genre, vraiment, l'équipe là m'a regardé mourir avant de bouger son cul. Donc... Ah, surtout que là, on pouvait vraiment genre faire les 4 kills. Hein. Ouais. Ils ont préféré attendre que je meure avant de faire quoi que ce soit. Donc... Putain, c'est vraiment des débiles. Déjà, n'importe qui d'autre se prenait le grab que moi, on gagnait. Non, je suis pas le temps de le R. Let's go. Oh, mais c'est fini, hein. Ah oui. Senna, elle va mid, elle prend du farm, t'es là, mais... En plus, elle rate tous les CS. Genre... Elle est débile, la Senna. Franchement, elle est débile. Ouais, je pense que moi ça va être la dernière et on va faire du multigaming pour finir, je pense, je sais pas encore quel jeu. On va faire des tier list, je sais pas. Tu fais quoi toi, tu t'arrêtes de jouer ou... Non mais tu veux rester sur le stream ou pas? Non, je vais voir pour manger, je pense. Yes. Techniquement on a du free farm, hein. Aucun dégât lui. Allez. J'ai même pas eu le... Eh bien, GG. Mec, ça me blase ce jeu des fois. Non, hein. Ouais, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Mais on n'a pas gagné une seule game. Ah, j'avoue, là, c'était. Alors. J'avais Master Yi, là. Maître Yi, Maître Yi. Maître Yi. Hop, alors Senna. Ça reporte. Voilà. Ça sert à rien, mais ça me fait du bien. Faire des bisous, mec.
Des bisous, merci d'avoir joué. C'était cool. Ouais. Les amis. A plus, des bisous. Hop, hop. Et les amis, bientôt les 200 followers. Ça, c'est un truc de fou. Si vous êtes 3 à follow, on sera à 200. Et bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À quoi on va jouer là? Laissez-moi réfléchir 5 petites secondes. Qu'est-ce qui peut être cool? En vrai, on va aller se faire un petit FIFA. Elle est où la marnée? Elle est où la marnée? Elle est là la marnée. On va aller se faire un petit FIFA. Je vais changer les infos du stream. En espérant qu'il n'y ait pas de mise à jour. FIFA 22, ce type pas. Ce serait bien que le jeu se lance en fait. Ça serait cool, ça pourrait être arrangeant. Et aujourd'hui, du coup, on aura fait Maître Yi, Tristana, Samira et Fiddlestick. Ce qui est pas trop mal. Hein. Je crois que FIFA veut pas se lancer. Ouais, FIFA, s'il vous plaît. Ah, peut-être. Alors, peut-être. Ah, let's go. Alors, par contre, on va quitter Spotify et on va se mettre comme ceci, voilà. Et je pense qu'on va aller faire du mode ma carrière, du mode carrière. Alors, jouer. Parce que si je fais continuer carrière, ça va être. Ah non, c'est bien ça. C'est bien celle qu'on était en train de faire déjà la dernière fois, donc c'est parfait. Avec le FC Nantes, on s'en rappelle. Et on avait toujours pas commencé. Pardon. La saison, là, on était sur les coupes. Sur une petite compétition d'avant saison. On va rester là-dessus. Dernier match de la saison. Alors, on est qualifié normalement pour les huitièmes. On
Ouais, il bug un peu. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça va passer. Et bien évidemment, le FC Nantes qui est champion de France. Et ça fait plaisir. Alors, par contre, on va se calmer. Alors, on va se calmer direct, hein. Alors, on récupère la balle. Pas du tout. Ok. On récupère. On envoie. Faut construire. Oh là, c'est beau! Là, c'est beau! Colomwani, Colomwani. Oh, toi, attention, attention. Colomwani, on essaye de se replacer dans l'axe. On l'a vu. Oh, dommage! Dans l'axe, peut-être! Alors, peut-être! 9ème minute! Pas mal de petits cafouillages, mais une reprise de Colomwani et ça fait zizir. Regarde-moi ça. Hop, on revient, on tire. Et on reprend premier poteau. Ça fait plaisir. Je sais plus en quelle difficulté on avait mis. Wow, attention, attention, hein, les mauvais tacles là. On a vu sur le côté. Hop, dommage. Pas fini, c'est pas fini. Allez. On réécarte un peu. Il est tout seul. On se remet sur le pied. Oh, dommage. C'est toujours pas fini. C'était bien vu, mais malheureusement, ça ne passera pas. Ok. Toujours pas fini, hein, c'est... Ouais, ils sont à deux sur moi, c'est pas grave. Bien vu, ça! Hop, on revient. On reprend l'angle et on passe à côté. Pas mal d'occasions, hein, pas mal d'occasions pour l'instant. Attention peut-être, la tête de Nicolas Palois. Oh, c'est pas passé loin, c'était cadré. Oh, dommage, c'était hors-jeu. On a eu une belle action là pendant quelques minutes. À part des joueurs nantais. Alors je rappelle, on est en mode manager. Donc on va pouvoir faire des achats. On va pouvoir faire des achats de joueurs, etc. etc. Ouah, c'est très bien vu, c'est très bien vu ça. C'est très bien vu ça. Parce qu'attention à pas faire d'erreur. Ça joue très haut, hein. Le pressing est assez présent. Ah, c'est pas à lui que je voulais la faire, putain! Et le but, hein, c'est de faire jouer des grands joueurs au sein du FC Nantes. Oh, dommage! Oh, dommage! Ah, l'égalisation! L'égalisation! Ça fait un peu chier, on va pas se le cacher.
Ok. On essaie de construire. Attention. Hop, on revient. Bon, alors là, c'était couillu, c'était couillu. Oh, ça c'est bien vu, ça c'est bien vu. Écarte un peu le jeu. Ah, oh, dommage. Dommage. La levée de balle qui était pas incroyable. Et le défenseur qui était au bon endroit, au bon moment. Attention. Attention à pas se faire déborder. Attention. Ouh. Heureusement, elle était hors du cadre. Ok. On essaie de se concentrer. Essayer de remporter ce match pour assurer une première place dans ses poules. Peut-être Cyprien. Cyprien tout seul. Cyprien tout seul. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On pensait qu'elle aurait pu rentrer. Oh, dommage. Ah, j'ai fait de la merde là. Oh, Nicolas Palois sur la balle. Allez, oh dommage! 45e, c'est la mi-temps. Et on en est désormais à 1 partout contre le SD Eibar. Je vais peut-être. On va peut-être faire des petits changements. Parce que là, je vois que Cyprien, c'est pas non plus. On va peut-être Moutoussami. Il faut quand même garder les gars pour. Est-ce que je change de part? Non, pour l'instant, on va garder ça. Parce qu'on va essayer de garder. Voilà. Des joueurs opérationnels pour les quarts. Est-ce que je crois que c'est les quarts de finale, hein, directement? Ok. Oh, dommage. Oh, ça c'est bien vu, ça s'est bien récupéré. On l'a vu tout seul. On l'a vu tout seul. Et la dernière passe pour assurer ce but. 48e minute, à peine sorti des vestiaires, que on marque déjà le deuxième but. Appelé. Ah, dommage. Oh, dommage. Attention, attention, attention à pas faire d'erreur. Allez. Ok. Faire attention parce que ils ont un pressing assez haut. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je pense que ce qui serait bien là en achat, ça serait de renforcer notre défense, trouver un bon petit défenseur. Ça pourrait être très cool. C'est vrai qu'on a une défense qui est un petit peu fébrile, on va pas se le cacher. On l'a vu sur le côté, on l'a vu sur le côté, tout seul, encore une fois sur le côté. C'est repris, peut-être, non. On a tenté le centre. Ok, c'est sorti. Attention, Colomoigny dans l'axe! Ouh, dommage. Dommage. Légèrement du hors du cadre. Allez, on essaye de reprendre. C'est Moutoussami. Moutoussami, très beau contrôle. Et tout seul, tout seul. Hop, hop. Monsieur, l'arbitre, s'il vous plaît.
Ok, tout seul. Tout seul. Tout seul encore. Ah, dommage. C'était très très bien défendu. On a essayé le beau jeu, on a essayé d'y aller tout seul. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Et Nicolas Palois qui est sur la récupération de cette balle. Ah, dommage. J'aurais dû la lever peut-être. Allez, on essaye peut-être sur la hauteur. Allez, faut partir en contre directement. On l'a vu, Ludovic Blas. Ludovic Blas, tout seul. Ok, il joue très bien. Ah, dommage! Dommage. Peut-être la fatigue qui a joué sur cette action. Et là, je crois qu'il va falloir faire. Voilà. La balle est sortie. On va pouvoir faire quelques petits échanges. Sachant que là, on n'a pas. Je crois qu'on peut tout changer. Hein, donc. On va mettre ça là. Ah, attends. Et on va peut-être. Parce que Blas, là, il est bien cramé. On va changer tout le monde, hein, de toute façon. Tous ceux qu'on peut, du moins. Qui on échange? Palois ou Giroto? Palois a l'air un petit peu plus fatigué. Et Blas, en vrai, on a personne. Parce que je pourrais l'échanger, hein, mais contre le gardien, mais ça marche pas déjà. Ça pourrait être très drôle. Pas besoin de changer le gardien. On va jouer comme ça. Voilà. Ok. Oh la faute! Oh la faute par derrière! Ouais, c'est un carton. Et en même temps, c'est peut-être un petit peu normal. Ah. Là, on a le SD Eibar qui me fait un peu peur, je dois avouer. Oh putain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ça va. C'est complètement hors du cadre. On attaque la 80e minute de ce match. Il va falloir tenir. Nous pousse dans nos retranchements, hein, cette équipe du SD Eibar. Mais heureusement, on a un gardien sur qui est à fond. Oh là là. Le physique, hein, qui n'est pas forcément. Ah, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, les amis. Si on a trouvé Moutoussamy tout seul. Qui peut-être. On a vu Marcus Coco, on l'a vu. Oh, la tête! La tête très 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 bien. Très très bien portée par Koulibaly, malheureusement. Ça sera hors du cadre. Et attention, parce qu'ils sont très, très dans l'offensive. Ils jouent très haut, l'équipe adverse. On va faire attention. On va pas faire de conneries. C'est bon. Le gardien. Et on pousse. Et on pousse. Appia. Appia tout seul. Appia. Qui met la misère en termes de vitesse. Ah, dommage. On a voulu la lever. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et c'est une fin de match. 2-1. 2-1 avec quasiment 4 minutes de temps additionnel. Et ça a été très dur. Un match qui nous offre la première place dans ces poules.
Ah, c'est directement des demi-finales, ok. Ah, donc là, va falloir. Bon, attention. La souris qui fait chier. Alors. C'est un. Ah, il y a un. À 11 millions. C'est notre milieu défensif. En vrai, on peut accepter. On peut accepter parce que de toute façon, on a 1 200 000. L'intersaison permet de tester. Ça, je sais. Parce que ça nous donnait de l'argent. Et on a toujours Moutou Sami là qui peut jouer. Et ça peut être pas mal. Au niveau des recruteurs, réseau de recrutement. On a quoi en défense? Colin Dagba. Ouais, Dagba. On peut le demander à l'observer. Un petit défenseur droit. Après, ça serait un. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on renforce réellement? C'est vrai que là, on a vu qu'on était assez débordé au niveau de la. C'est vrai que, ouais, défenseur droit, ça pourrait être pas mal. Les ailes, en fait, c'est les ailes. Et éventuellement, du coup, un milieu centre, peut-être. Quoique non, on a ce qu'il faut. On a qui, il nous propose quoi? Ok. Ouais. Non, on n'a pas grand chose. Je regarde un petit peu, hein. Ah, trop vieux, 36 ans. Il va falloir qu'on regarde un petit peu quelle pépite on pourrait avoir. On pourrait chercher. Lucas Bagni a été prêté. Ok. Pas de problème. Au niveau de l'équipe, on va peut-être pas commencer avec cette équipe-là parce que je vois qu'ils sont assez fatigués. Parce qu'on est contre Empoli, sachant que. On pourrait potentiellement recroiser le SD Eibar en finale. Ce qui serait pas mal. Qui on pourrait chercher comme joueur? Défenseur recherché. Ah, 17 millions à Charby quand même. Hein. 83 de général, 1m92. Oh, ça pourrait être pas mal. On va le mettre à l'accueil pour l'instant.
Je suis en train de réfléchir à... Parce que ce qui pourrait être cool, ça serait... Je viens de penser à un joueur. Mais en buteur. Il faut 12 millions. Un petit Zlatan à Nantes. Joueur en fin de carrière. Ah merde! Ah merde! Ah, je vais tomber. Ah, c'est con ça! Ah, c'est con ça! Ah putain! Rooney, il joue encore ou pas? C'est qui est parti en MLS là, tu vois, qui pourrait avoir baissé, mais qui est pas trop mal, tu vois, en termes de joueurs. Si un qui pourrait le faire, ouais, mais il va être hyper cher déjà, je pense. Ah, 37 millions? Vas-y, on ajoute, hein. Ribéry joue encore ou pas? Eh. Ah putain, fin de carrière aussi. Font chier, putain. Qui on pourrait penser Moi je pense à Idrissa Gueye. Voilà. Et puis on peut ajouter. Si un qui peut être pas très cher en défenseur du coup. DG, DG. Ben voilà. 9 millions, on est sur un joueur qui est pas mal en vrai. Non, non, il y a... peut être pas mal, Marcelo. Marcelo... À qui on pense? Nkunku. MOC, Nkunku. Nkunku, il vaut cher Nkunku. Putain, il vaut si cher que ça. Voilà. C'est ça que je veux. Accepter.
Ouais, bah écoute. On va se débrouiller. Alors, pour l'instant, j'ai qui? J'ai juste ça. Un Sherby peut-être en premier lieu. Alors, faut juste regarder combien on a. En termes de... On a 18 millions. On a 18 millions. Donc là, on va pouvoir faire qu'un seul transfert. On est à 17 millions. Ouais, Camavinga, ce sera pas pour tout de suite. Marcelo. Je pense que... En vrai... On achète à Cherbi et puis on peut essayer de vendre à Nicolas Palois. On va voir. On va voir ce que ça va donner, les négociations. Alors. On va proposer 18 millions. Ouais, il demande 23 millions. Je peux pas, mais... Même 20 millions. Alors, si je fais 18 millions, genre 3. Ok. Avec un échange de joueurs, genre. Bah, genre. Nicolas Palois. Bah, voilà! C'est parfait, ça! Bon, maintenant, il va falloir négocier avec lui. Ah. Évidemment. Ah, disons 3 ans. On peut se tenter un petit 2 ans? Ok. Très bien. Alors, il avait 175 000. On peut tenter un petit 100 000 à la signature avec un salaire de 100 000. On peut même faire 120 000. C'est parfait. Nickel! Alors maintenant... Avant, je remarque que j'ai pas d'ailier remplaçant. Faudrait que je trouve des petits ailiers... Genre staff jeune, tu vois. Tiens, on va s'en mettre un pendant 6 mois là. De toute façon, j'ai plus de thunes. Allez, hop. Et centre de formation, on a qui? On a AT, BU. Donc
gros, là, son point fort, c'est la vitesse. Bah, du coup, plan de développement. Plan de développement. Nico, il est droitier. Et bah, ça sera. Et les droits. Voilà. Ça me plaît pas mal, ça. Ça me plaît pas mal. Ok. Et ben voilà, et ben on va jouer la demi-finale avec notre nouveau joueur. Parce que je voulais faire. Et sur une équipe. Alors. On va commencer avec les remplaçants. Tu vois. Et attends, ce qui est chiant, c'est que. Et Coco et Simons, faut que je leur trouve des potes, quoi. Ouais, ça me va comme ça. C'est histoire de les. De les préserver pour une éventuelle finale. Ok, oh attention. Ah ouais, donc ils viennent à deux me tacler, mais y a pas faute quoi. Ok. Moutoussami. Moutoussami tout seul. Oh, c'était bien vu dans l'axe. Malheureusement, ça atterrit dans les mains du gardien. Oh, dommage. Oh, dommage. Ah, dommage. Mal joué ça. Ok. Oh, dommage. Attention à pas faire l'erreur bête. Pas en demi-finale, pas comme ça. Ah, c'est. Ça fait chier. Je vous cache pas, ça m'emmerde. Allez, Simon. Sur le côté. Oh, le petit pont. On a vu. Moutoussami. Moutoussami qui se fait bloquer. Allez. On essaie de se concentrer, reprendre ce match en main.
Ok. Ah putain. Le pressing de tous les instants. Ah dommage. Ok. Ça joue fort. Ça joue très fort. 23ème minute. Attention à pas s'en prendre un deuxième. Ok. Ah, regardez, hein, ils sont très hauts hein, les mecs. Et là, Marcus Coco. Let's go! Oh, petit cafouillage, mais ça finit au fond des filets. Et c'est ce qui importe. Très bon but de Koulibaly. Compétition assez difficile. Ah, dommage. Attention à pas se faire déborder. Oh là 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 là. C'est très très compliqué ce match. Ok. Est-ce qu'on a fait le bon choix finalement de laisser Nicolas Palois? Je ne sais pas. Après, notre attaque mériterait d'être renforcée également. Ok. Bon, c'était pas lui que ça lui était destiné, mais c'est pas grave. Koulibaly qui a une très belle course, qui remet sur Moutou Sami, qui n'arrivera pas à la mettre au fond. Allez, on essaye de revenir. Et malheureusement... Quoi, il y a faute ? Ah ! Malheureusement, j'ai fait une faute. Avec Acherbi. Finalement, peut-être... La mauvaise décision de l'avoir acheté. Bon, après, c'est son premier match. On ne peut pas tout juger sur un seul match. Et c'est la mi-temps 2-1 dans cette première mi-temps. Mais ce n'est pas fini. Ok. Très bonne récupération. Ok. Putain, mais ils sont partout, les mecs! Ok, Acherbi, heureusement. Ah, il commence à se réveiller. Deuxième mi-temps, il est temps de se créer des opportunités.
Let's go. Bel arrêt d'Almond Lafond. Ok, c'est beau. Et on refait la même, hein. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On écarte un peu le danger. Ok. On envoie directement sur Appia. Marcus Coco. Après, forcément, à 3 défenseurs, hein, c'est très compliqué. Allez, on essaie de se concentrer. Bon, il n'y a pas faute. Ok. Ok, on essaie de se concentrer. Marcus Coco, peut-être. Ah, dommage. Ils sont partout, ils sont partout. 68e minute. Prochain arrêt de jeu. Je ferai mes changements et on mettra notre équipe principale. Ok. Ça, on va pouvoir procéder au changement. Malheureusement, il n'y a que Coco et... Bon. Colomwani. Blas. On va peut-être changer comme ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. Du son un peu neuf. Oh là 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 là. 75e, hein. Toujours 2-1 pour cette équipe. Mais quoi, y a faute, faut arrêter là. Let's go. Allez. Allez, on essaie d'aller devant. Colomwani. Let's go, la contre-attaque. 81e minute. L'égalisation, c'est pas fini les amis. C'est pas fini. On va y aller dans cette finale. On
Ok. Non. Oh, attention! Allez. Ok. Ah putain, je suis une grosse merde. Let's go, let's go, let's go, let's go, c'est pas fini, c'est pas fini, attention. Allez. La dernière contre-attaque. La dernière contre-attaque, les amis. C'est maintenant que tout ça se joue. Oh, oh, le but de la victoire! Le but de la victoire! Oh, cette reprise de volée! Acrobatique, incroyable, les amis! Elle est folle! On va en finale! Incroyable, les amis, incroyable. Ah. Incroyable, parce que vraiment, ils nous ont dominé tout le match. Et c'est le SDA bar! Oh, la revanche! La revanche! La revanche en finale. Hop là. Ah, je sais que vous allez chercher quelqu'un pour remplacer un lien, mais je pense pouvoir faire l'affaire si vous me laissez une chance. Ah, il y a encore deux. Thierry Vela vendu, ok. Ah, bah, de toute façon, oui, on va mettre. Ou tout Samy, c'est sûr. Il va falloir renforcer cette équipe, hein, parce que... Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Ah, mais ce but, il était incroyable. Allez, on joue une finale, les amis. Et une finale, on le sait, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ok. Oh, c'est beau ça. C'est beau, Ludovic Blas. Ludovic Blas déjà dans la surface. Prêt à lever la balle. Pour la tête, mais ça ne passera pas.
Mais je pense qu'on arrêtera le stream après. Après la finale. Allez. Fabio avec une certaine vitesse. Oh là 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 là. Ok. On est dessus, de la tête. Oh, c'est beau ça. Le physique. Le physique de Ludovic Blas. Ah, dommage. Pas vu qui la sortait. Ce sera un corner. Ah, malheureusement. Un peu mal tiré. Mais putain, mais. Allez. Ça, on récupère la balle. Attention, parce que ça joue très haut, hein. Ok. Coco. Le centre, peut-être. Non. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Ça touchera la tête. Ben Yedder qui a été transféré a priori à Arsenal pour la somme de 57 millions d'euros quand même, quasiment 58. Oh, attention, attention à pas se faire déborder là. On a vu Moutoussamy tout seul. Ah, dommage. Hop, la petite feinte, on l'a vu, Fabio. Fabio qui court, Fabio. Ah, dommage. Ils étaient deux. C'est ça, pour l'instant, on a la possession. Cortia tout seul. On essaie de revenir. Ah, j'étais trop rapide, j'ai pas pu armer correctement mon centre. Ça. Une petite faute quand même, monsieur l'arbitre là. On va pas dire, mais quand même. Ah, dommage. Kolo Muani dans l'axe. Kolo Muani dans l'axe. Et let's go. Temps de 4ème minute, ouverture du score du FC Nantes. But de Kolo Muani contre le SD Eibar. Et on récupère très vite la balle. Attention à pas la faire sortir. Cyprien qui récupère aussi la balle. On va la lever pour Moutoussamy et c'est le second. Quelques minutes seulement après le premier but. En voilà un deuxième. Le FC Nantes s'envole et se rapproche de plus en plus de la victoire et du titre de champion de cette coupe. Attention. C'était récupéré. Le pressing qui est assez haut également de la part du FC Nantes. On va revenir.
Oh, attention, attention à pas faire d'erreur. Attention à pas faire d'erreur. Ça passera hors du cadre. C'est envoyé en corner. Attention à pas faire d'erreur. Attention. Oh, c'est beau, ça, c'est bien vu, ça. C'est envoyé à Charby. 45e minute. Et déjà 2-0. C'est la mi-temps. 45e minute. Et déjà 2-0 dans ce match. Cette finale de coupe. Qui pour l'instant part pour être en faveur de notre équipe du FC Nantes. Moi je dis on va jouer ça comme ça. Parce que là on a un Marcus Coco qui est complètement éreinté. Pour cette deuxième mi-temps. Quoi qu'on... On va pas faire ça tout de suite. On va pas faire de changement pour l'instant. Et on fera des changements, je pense, autour de la 70e minute. Ok. Ok, Colomani, Colomani qui prend la transverse tout seul, tout seul. Colomani qui se remet sur le bon pied. Oh dommage, le poteau sortant. Dès l'engagement, dès la deuxième mi-temps, c'est déjà dangereux pour le SD Eibar. Et Colomani encore une fois tout seul, qui se remet sur son bon pied, qui tire. Et ça passera hors du cadre. Mais les occasions ne font que de continuer pour cette équipe du FC Nantes qui est bien partie pour remporter la victoire. Ça va. Un gardien plutôt serein jusqu'à maintenant. Oh, attention, attention à pas faire d'erreur. Oh là là. Oh, c'était très bien joué de la part de ces joueurs du SD Eibar, mais malheureusement, ça ne continuera pas pour eux. Oh là là, le pressing haut qui oblige les erreurs, enfin les joueurs à faire des erreurs, malheureusement. Ok, ça aurait pu faire, j'ai failli faire avoir un petit penalty, mais ça va, c'est très bien joué de ma part. Colomani. Colomani tout seul, Colomani avec sa vitesse, on essaie de revenir dans l'axe. Hop, on se recale sur le pied gauche et c'est un but. Deuxième but doublé de Colomani, 61e minute. Le FC Nantes qui se rapproche encore une fois un peu plus de cette coupe et de cette victoire. Ce match qui pour l'instant va que dans un sens. Hein, et c'est celui du FC Nantes. Oh, oh l'énorme faute. Ça commence à jouer le physique. Moutoussami tout seul. Ah, le hors-jeu de Colomani. J'ai vu ça un peu trop tard.
Et bien évidemment, on va faire très attention. Oh, la belle sortie du gardien qui le repousse des pieds. Ouh, j'ai failli faire une erreur, mais ça va. Ça passe. C'est envoyé directement sur la droite. À Cortia. Hop, on revient sur le pied gauche. Hop. Simon peut-être pour le doubler aussi, non? Ah non, c'est pas Simon qui a marqué, c'était Moutoussami, c'est vrai. De la tête peut-être, non. Ça sera renvoyé au-dessus des filets. On va faire les changements maintenant. Parce que là, on a Coco qui est dans le mal. On va mettre Appia à la place. On a un Cyprien qui est pas non plus au mieux de sa forme. On va changer Giroto. On va faire tous nos changements. Et comme ça, on repart sur du 109 pour ces 30, enfin ces 20 dernières minutes. Koulibaly sur le pied gauche. Dommage. Dommage, mais encore une fois, hein, là... On attaque dans le dernier quart d'heure de ce match. Et le SD Eibar qui s'éloigne de plus en plus de cette victoire. Oh, et Koulibaly qui se remet sur son bon pied. Et c'est le quatrième but du FC Nantes signé Koulibaly. Et je crois que ça va être très compliqué hein, pour cette équipe du SD Eibar de recoller au score. Hop. Un Serbien qui a su faire un bon tacle. Appia qui use de sa vitesse. Appia qui est tout seul. Dommage. Et peut-être Simons. Simons. Oh là là. On essaye hein, on a essayé de se remettre dans l'axe. On aura dû tirer première intention, je pense. Il y a Serbi directement sur la balle. Serbi qui fait un très bon travail dans cette finale. Oh, l'erreur défensive qui vient permettre au SD Eibar de mettre son premier but à la 88e minute. Malheureusement, je ne pense pas que ça suffira pour décrocher la victoire, mais peut-être un sourire dans le cœur des supporters. Ah, et Simons qui s'est blessé. A priori. On va laisser un petit peu le temps tourner. Et c'est une fin de match, les amis. Doublé de Colomoini, un but de Koulibaly et un but de Moutoussami. Et on voit cette remise de trophée.
La victoire. Avec les supporters qui sont on fire. Mais écoutez, c'était un très beau match, hein. Victoire 4-1, très belle compétition d'avant-saison. On a gagné 2 500 000, ce qui est pas dégueu. Il nous reste quoi? Si on se met un petit 80-20, voilà. Si on se met 100 000, ça fait 10 millions. Il reste 10 millions de budget. Est-ce qu'on a moyen d'acheter quelqu'un? Je ne suis pas sûr. Marcelo vaut combien? Ah, il vaut 9 millions. On va aller voir ça. J'avoue qu'un petit Marcelo. Si on sait un. Et hey, salut John Voss, bienvenue à toi sur le stream. Si on se fait un ça plus un petit dième. Il me faut 10 millions. Quoi neuf? Eh ben écoute, pas grand chose. Hein, on gère l'équipe du FC Nantes sur FIFA. Si on se fait un petit 10 millions 5. Est-ce que ça. Ben, ça me paraît pas mal! Voilà, Marcelo! On va aller négocier. Alors, moi ça me va pour l'instant. Pas plus de 2 ans. Hein. 2 ans, ça me paraît pas mal. Alors, moi, je retire les primes déjà. Allez. Si on se fait ça. Bon, bah c'est bon. Bah nickel les amis, nickel chrome. Du coup... On va pouvoir se mettre ça là. Ah, comme ça. Et du coup, on peut se faire un petit... Hop, hop. Et comme ça, on a renforcé notre défense. Maintenant, ça va être l'attaque. Il faudrait trouver un ailier droit. Un ailier droit et un ailier gauche. Ah, Colin Dagba, ça donne quoi? 74... Moi, c'est pas mal. Ok. Mais là... On va... On attaque. Je regarderai pas énormément parce que bon, le foot n'a jamais été mon truc et puis je suis encore tout...
tout à fait fini de bosser, il me reste peu de temps. Ah non, mais il n'y a pas de problème, et puis de toute façon, là, on est sur la fin du stream. Mon stream anniversaire pour demain, donc... Ah oui, d'accord. Mais écoute, bon stream anniversaire et bon anniversaire, du coup. En ailier droit, en vrai, en ailier droit, qui... Si, 38 ans de conneries. AD. On a qui en AD qui pourrait être sympa? T'es un petit rapide, là. On a Asensio, mais Asensio, c'est 43 millions, quoi. Gareth Bale. Ah, Gareth Bale, 20 millions. Potentiellement faisable. Di Maria, ça pourrait se faire aussi. Et en ailier gauche, on a qui? On n'a pas... Draxler, ça peut être pas mal. Diaz, ça pourrait pas être dégueu. Phil Foden, ouais, mais Foden, 94 millions. Grealish. Ah, Grealish, 50 millions. On peut le noter quand même. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, on a Eduardo Camavinga, on a Gay hein, qui pourrait être pas mal. Et puis bah là, c'est... Là pour... En milieu, de toute façon, je pense qu'on va rester sur cela. Je pense que ça peut être très très bon. Et ouais, là, va falloir... Asensio. Bale, en vrai, c'est faisable. 20 millions, ça fait qu'il faudrait qu'on ait 25 millions. Sachant que... Là, on va faire ça... clairement, Fabio, on peut l'ajouter à la liste des transferts. Rogue voisine, on peut... On peut l'ajouter à la liste des transferts. On va vendre de toute façon. À Cyprien. Ah, il est à Amiens. Bon. Moses Simon. Tout ça mis en garde. Sans garde, sans garde. Ah, tu vois, on en a deux. On peut. Hop. Ah, c'est pareil, hein. Voilà.
Ah, Idrissa Gueye, ça donne quoi? 21 millions. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, offre de transfert pour Traoré. 1 500 000. Ouais. Ça me va. Ouah, Kolo Ça, c'est dur, hein. On va rester sur 80-20. Le problème, c'est que Gareth Bale, c'est un ailier droit, quoi. Après, je pourrais jouer sur Koulibaly, mais bah écoute, écoute. On va aller négocier. Voir si on peut pas gratter 1 ou 2 millions. Ça peut être pas mal. Tu as un échange contre un Fernandinho. Et dans ces cas-là, on peut baisser à 19,5 millions. Voilà. Non. 23 millions. Vingt-deux millions. Et ben voilà! On trouve des accords. Ah bah oui, Moses Simon, du coup, on peut le vendre en plus. Valeur 9 millions. Ami, alors attends. On va négocier parce que moi, je veux pas de... Alors, retirer l'échange de joueurs et proposer un nouveau montant. On va partir sur des millions.
Bah voilà, donnez-moi de l'argent, putain. Bon, on va faire peut-être les entraînements parce que je vois que. Ouais. Et on va faire 2-3 entraînements là, ça va être cool. Ok. Ouais, mais ils changent de sens, les connards là. Oh, mais attends, vous allez trop vite là, les trous du cul. B, ouais, c'est très bien. B, c'est bien. Tir rapide. Ah, putain. Putain, c'est dur de ouf cette merde. Let's go. Ok. Ah merde, j'avais pas vu. Putain, c'est dur. Waouh, mes frères. On va essayer. Voilà ça. Ah mais. Ça m'a saoulé. C'est dur. Ah putain. Let's go. Putain, je suis un connard. Ok. Let's go. Putain. Possible de la cadrer, bordel.
C'est mieux. Carrément mieux. Oh, par contre, les exercices de défense, qu'est-ce que j'aime pas ça. Ouais, ça on quitte. Hein. Ouais. Alors, Colomwany vendu. Fabio. On va les négocier, hein. On va essayer de le négocier à 3 millions. Sept. Allez. Simon vendu. On est comment là au niveau thune? 30 millions. Donc, avec le transfert, Gareth Bale. Approché pour achat. Et on va acheter Gareth Bale. Proposer un transfert à... Ah bah nickel. Gareth Bale au FC Nantes, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça c'est évident. Un petit 3 ans. Ok. Bon, pas de clause. Alors moi je proposais un petit 200 000. Ça fait quoi? Et un petit 500 000. Fouah! J'ai mis toutes mes thunes, mais on a... On a Gareth Bale. Voilà. Ah, mais du coup, on n'a plus de milieu gauche. Ah, mais je me suis planté, en fait. Ah. Ils ont du Simon alors que je voulais vendre Coco. Bon, on verra ça au prochain stream. Je me concentrerai et on verra ce que ça donne. Hop, merci d'avoir suivi ce stream, les amis. On se dit rendez-vous. Bonne question. Quand est-ce qu'on se dit rendez-vous? Est-ce qu'on se dit rendez-vous? Attendez. Demain c'est mort. Jeudi 19h-21h, on se fera un nouveau stream. Donc, on se donne rendez-vous jeudi. Merci d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des gros bisous. Bye tout le monde.